Bonjour tout le monde. Est-ce que certaines personnes ont besoin de carton pour euh, refaire leur prénom? Oh, Félix, c'est bon. Peut-être pas assez garder là euh. Te aller... oui. Je Oui. ça. Manqué, toi? Justine, à le garder. Toi, as tu as encore ton prénom, hein, jeune fille? Oui, t'en as pas, hein? Euh, crayon, je peux te je peux aider aussi. Excuse. Bon, alors, euh, allons-y, bon après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Content de vous revoir. J'espère que vous portez bien. J'espère que parfait. Oui, ça va bien, merci, moi aussi. J'espère que votre, euh, vous avez aimé le premier cours, aimé la première semaine. Parce qu'on va, on va enfiler le, la matière comme, comme on l'avait planifié. On va mettre en pratique la, la, la stratégie pédagogique que je vous avais présentée cette semaine. Vous avez possiblement. Euh, fait le travail hors classe qui était à faire avant le cours, donc vous savez sur quoi va porter le cours, il n'y aura pas de surprise. Donc euh, je, vais, je vais faire un très très court, très, très, très court mise en contexte là, juste pour vous resituer. Puis après ça, on va faire des mises en application pour une bonne partie de la journée. Euh, quelques petits rappels aussi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai s'il vous plaît d'éteindre votre téléphone cellulaire. Donc on en a parlé la semaine passée. Donc juste l'éteindre pour la prochaine heure, le, le ranger, ce serait appréci très apprécié. Je vous remercie d'avance. Vous allez pouvoir le récupérer dans la, euh, à la pause tout à l'heure, bien sûr. Euh, je vous rappelle aussi que, juste pour vous montrer le plan de travail, il est où. On en a parlé beaucoup la semaine passée. Vous reconnaissez votre portail de cours. Ici, dans le bas du portail de cours, là, il y a un accès vers le plan de travail. C'est vraiment le, la chose qu'il faut suivre euh, semaine à semaine. Donc, dans la, on est rendu dans la semaine 2 en ce moment. Donc, euh, avant le cours, il y avait ça à faire. Vous allez avoir le lien vers l'enregistrement. On, on va terminer la journée avec un défi caout. Et bien sûr, il y aura des problèmes de la BQI en fiscalité sur lequel travailler dans le sujet 2. Aussi, je vous rappelle que les questionnaires, la date, la, la date limite pour les premiers questionnaires, c'est dimanche qui s'en vient. Donc, dimanche en trois jours, c'est la date limite pour compléter le questionnaire de la semaine passée, celui de la semaine 1 et celui de cette semaine. Donc, au plus tard, assurez-vous assurez de ne pas oublier ça. C'est quatre points faciles à aller chercher. La moyenne va être 4 sur quatre. Puis, en même temps, ça, ça vous assure de ne pas prendre de retard. Ce n'est pas difficile à faire. Là. Donc, on n'oublie pas, dimanche en trois jours, c'est la date limite pour ça. Euh, dernier petit message, je n'en ai pas parlé la semaine passée parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Il y a un petit protocole COVID, hein, vous le savez, vous l'avez possiblement fait dans les autres cours. Il faut juste essuyer sa place quand vous quittez. Donc, tantôt quand vous allez quitter à trois heures, prenez une petite minute. Là, il y a des produits en arrière. Juste désinfecter puis euh, essuyer votre, la surface pour le prochain étudiant qui va prendre votre place. OK. Alors, euh, la semaine 1, vous vous rappelez que la vidéo de la semaine 1 est là. Je vous rappelle que le cours est enregistré, ma voix, l'écran. Vous le consultez juste au besoin. Hein. Je, je répète, je, je vais pas tout répéter ce que j'ai dit là, mais je ne pense pas que 100% des étudiants, qui, si vous venez en classe puis vous m'écoutez puis ça va bien, mais ça ne donne rien de me réécouter pendant une heure et demie, on en, s'entend. Mais pour certains, si vous en sentez le besoin, faites-le. Je ne prétends pas qu'il faut à la fois m'écouter en live et à la fois m'écouter en enregistré, euh, assurément pas. C'est vraiment juste si vous en sentez le besoin. Est-ce qu'il y a des questions sur la démarche pédagogique, le plan de travail, Est ce qu'on a discuté la semaine passée, sur la matière de la semaine passée, peut-être? Je vais être, être sûr que ça ne vous cause pas de problème, la démarche pédagogique. Le défi, c'est vous être en fiscalité, le défi, c'est pas soit avec les outils. Je ne pas vous me disiez après trois, quatre semaines, euh, je ne sais pas comment accéder aux vidéos. dites moi maintenant, là maintenant si ça ne marche pas. Ben, je pense que vous êtes comme, sommes tous à l'aise avec ça. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Alors, euh, on va s'attaquer à notre sujet de la semaine. Donc, euh, notre sujet cette semaine, comme vous le savez, c'est l'assujettissement. L'assujettissement, c'est quand on fait l'étude d'une loi, c'est toujours le premier article qu'on va étudier. D'accord Dans le fond, l'assujettissement, ça répond à la question à qui s'applique la loi. Donc, si concrètement, si on applique ça à notre loi que nous, on étudie, la fameuse loi de l'impôt sur le revenu. La question, c'est qui, à qui s'applique la loi de l'impôt sur le revenu. Ou si vous préférez, qui doit payer de l'impôt sur son revenu au Canada? Vous n'avez pas seulement déjà vu des pistes de, de, de réponse dans, dans, dans votre travail euh, avant le cours, mais on peut en profiter pour défaire des mythes. On entend des choses par rapport à ça. Genre euh, tu devrais changer d'adresse, comme ça, tu ne paieras plus d'impôts au Canada. Euh, ou, euh, je ne sais pas moi, euh, si tu perds ta citoyenneté canadienne, puis que tu gagnes une citoyenneté dans un autre pays, tu ne paieras plus d'impôts au Canada. Ou, euh, ou euh, je ne sais pas moi, euh, si tu es né au Canada, tu vas toujours devoir payer un impôt au Canada. Ben, c'est toutes des faussetés. Hein? C'est toute des faussetés, c'est pas ça euh, la vraie réponse. Donc, si on va voir dans la loi de l'impôt, donc, euh, comme je vous disais, là, je prends 15-20 minutes, je, je mets la table vite, vite, puis je, je vous fais faire des, euh, des mises en application. Mais ça va être utile. Donc, l'article d'assujettissement, de de on l'a ici, d'accord? Je le lis rapidement. Un impôt doit être payé pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne résidant au, au, au Canada à un moment donné au cours de l'année. Donc, le mot important là-dedans, c'est résident. Résident au Canada. Euh, juste, j'attire aussi votre attention sur une autre affaire les fameux revenus sur lesquels on doit s'imposer, c'est nos revenus de source mondiale. Donc, si on est un résident canadien, bien, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on doit, dans notre déclaration de revenus fédéral, inclure tous les revenus qu'on a gagnés partout dans le monde. Donc, moi, c'est mon cas. Nicolas Boivin, je suis résident canadien. Bien, si pendant l'été, je m'en vais passer trois mois dans un autre pays, que je travaille un petit peu, puis que je gagne des revenus, puis que… Euh, en, en mois d'octobre, je vais dans un autre pays, je gagne un peu de revenus. Vous comprenez qu'à la fin de l'année, comme je vais être demeuré un résident canadien, je vais devoir prendre tous ces revenus-là que j'ai gagnés partout dans le monde et m'imposer dessus au Canada. C'est le pouvoir que le Canada a sur ses résidents. Il existe aussi un, un article, donc le premier encadré, c'est ça ici, c'est la règle pour les résidents. Il existe un autre encadré, une règle un peu différente pour les non-résidents. Donc, quelqu'un qui est non-résident, un Américain, par exemple, qui vient se promener au Canada, mais qui ne satisfait pas l'équité, ça ne fait pas de lui un résident du Canada. Donc, un non-résident, assurément que le Canada n'a pas le pouvoir de l'imposer sur ses revenus mondiaux. On comprend qu'on a ce pouvoir-là sur les résidents de notre pays, les résidents canadiens, mais le fédéral, le Canada, ne peut pas, face à un inconnu, imposer un, un, un non-résident sur ses revenus mondiaux. Le seul pouvoir qu'on a, il est très limité, D'accord, c'est facile à retenir, je crois. Ces trois sources de revenus que cette personne-là, non résident, serait venue venu gagner sur notre territoire. Donc, si un non résident vient physiquement au Canada puis qui travaille, on peut l'imposer sur son revenu d'emploi gagné au Canada. S'il vient sur notre territoire et qu'il opère une entreprise, on peut l'imposer sur son revenu d'entreprise gagné au Canada. Et la troisième source, c'est s'il vend un bien situé au Canada. Donc, s'il vend un bien situé au Canada et qu'il fait un gain capital, on va pouvoir un profit en vendant le bien, on va pouvoir l'imposer là-dessus. C'est les, les seules trois sources ici imposables pour un non-résident. C'est bien différent, puis c'est beaucoup plus restreint que l'imposition le, sur les revenus mondiaux qu'on vit avec les résidents canadiens. La troisième situation possible, euh, juste avant d'aller plus loin. Ici, il euh, y a quelque chose qui pouvait biffer, c'est la seule fois qu'on va faire ça dans le cours. Ce n'est pas matière au cours. Toute l'impôt de la partie 13 ici, c'est une page et demie. Okay? Prenez le, prenez-en note, ce n'est pas matière à l'examen. Ça veut dire, donc dire que toute la question euh, qui nous intéresse pour les non-résidents, c'est celle qu'on vient de discuter. C'est ce que vous retrouvez ici. L'impôt de la partie 13, on n'en parlera pas. Ça va être quelque chose qui va peut-être être intéressant pour votre examen CPA dans quatre ans. On, Troisième situation possible, je vous rappelle, la première situation, c'est si tu es un résident comme moi. Deuxième, on m'impose sur mes revenus mondiaux. Deuxième situation, tu es un non-résident. On t'impose on sur presque rien. La troisième situation possible, c'est un mix des deux. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça, ça pourrait arriver que dans une année, j'ai les deux statuts? Donc, par exemple, pendant neuf mois de l'année, je suis un résident canadien. Et après, le 30 septembre, je quitte le Canada, puis je deviens un non-résident. Donc, dans, la, dans ma fameuse année 2021, j'aurais eu les deux statuts. Pendant neuf mois, j'aurais été résident canadien, puis pendant trois mois, non résident. Bien, vous comprenez qu'on va, qu on, on va comme couper l'année en deux. Puis pour mes neuf premiers mois, on va m'imposer sur mes revenus mondiaux, parce que j'étais résident canadien. Puis pour mes trois derniers mois de l'année, on va seulement pouvoir m'imposer sur les trois petites sources de revenus canadiennes, s'il y en a, après mon départ. Donc, on peut aussi mixer, c'est juste ça ce que ça veut dire, là, le troisième encadré, c'est qu'il existe aussi une situation mitoyenne où on appliquerait dans la même année les deux statuts. C'est plutôt, plutôt rare. C'est l'année où tu quittes ou l'année où tu arrives, mais pour les sinon, ça s'applique rarement. Bon, la, la fameuse question de résidence. C'est quoi ça, être résident canadien? Sais-tu avoir son adresse au Canada, je l'ai dit tantôt là. C'est-tu avoir son passeport canadien? si tu être né au Canada? C'est rien de tout ça. D'accord, c'est rien de tout ça. Puis, étrangement, la loi de l'impôt, son article le plus important, l'article d'assujettissement qui dit qu'il qu faut être, le, 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 le critère déterminant, c'est d'être résident canadien, la loi ne le définit même pas. Son concept le plus important d'être résident canadien ou pas, la loi ne définit pas c'est quoi être résident canadien. Qu'est-ce qu'on fait? On en parlait hier. Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la fiscalité, le droit, une loi quelconque, et qu'on on, s'interroge sur un traitement, sur une définition, puis que la loi est muette. Est-ce qu'on pleure et on arrête là ou il y a des démarches à faire au niveau, au niveau euh, intellectuel pour aller chercher dans d'autres sources de droits? Oui. Ouais, Rappelez-vous les, les fameuses sources de droit qui sont en ordre. Là, évidemment, le texte de loi, si on avait eu une définition dans la loi, ça aurait été l'idéal. Il n'y en a pas. On va se rabattre alors sur d'autres sources de, de droits. Puis, effectivement, les tribunaux. Avec raison, la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du Canada, a déjà dé, euh, entendu cette question-là et a dé, jugé que c'était effectivement important pour le Canada de définir c'est quoi ça être un résident canadien aux fins fiscales. Et les juges de la Cour suprême, euh, essentiellement, ont donné quatre critères. Okay? Dans le fond, ce que les juges ont dit, c'est on s'en fout de ton adresse, on s'en fout de où tu es né, on s'en fout de ta citoyenneté ou pas, on va regarder. Comment tu vis, ta vie personnelle, comment ça se passe. Et on va surtout regarder quatre choses dans ta vie personnelle. Premier critère que les juges ont dit si tu quittes le Canada, est-ce que ton départ est permanent? Est-ce que tu quittes dans l dans, vraiment dans l'intention de ne jamais revenir? Premier critère que les juges ont dit il faut vérifier ça. Deuxième chose, les juges ont dit vérifier tous les liens. Personnel que tu as gardé avec le Canada. Donc, quand tu quittes, est-ce que, est que tu as coupé tous tes liens avec le Canada ou tu en as conservé quelques-uns? On va, on va tout faire l'analyse de ça tout à l'heure. Je vais juste vous donner les, grands, les grandes lignes. On va, on va l'appliquer, cette, cette chose-là, dans nos cas de tout à l'heure. Troisième chose que les, les juges ont dit, vérifier si tu aurais un lien de résidence avec une autre juridiction. Est-ce qu'il y a un autre pays qui, qui dit que tu es fiscalement résident de ce pays-là? C'est important d'aller vérifier ça. Et le quatrième critère que les juges ont dit, il faut vérifier tes visites au Canada. Donc, si tu quittes le Canada et que tu deviens non résident, est-ce que tu reviens faire des visites? Si oui, souvent ou pas, et pour combien de temps? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il que, qu faut regarder dans la vie d'une personne pour déterminer si elle est résidente euh, fiscale ou pas. Donc, on va pouvoir les voir de tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle la résidence de fait. Regardez, je le mets en, 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 en vert. Ça porte bien son nom. De fait, ça veut dire qu'on regarde les faits. Il existe une dernière façon d'attraper quelqu'un en plus de la résidence de fait, c'est ce qu'on appelle la résidence réputée. C'est un, un test qui, lui, est dans la loi, qui est bien simple. C'est on va compter le nombre de jours où tu es sur le territoire canadien. Si tu passes plus de 183 jours sur le territoire canadien, c'est six mois ça. Si tu passes plus de six mois physiquement au Canada, tu es réputé être un résident canadien pour toute l'année. Donc, il y, a, il y a deux façons de, de, de qualifier quelqu'un de résident canadien, soit par les faits, en allant voir sa vie personnelle puis en jugeant que les critères sont respectés, ou soit par la résidence réputée, quelqu'un qui passerait plus de 183 jours au Canada. Regardez, j'ai juste mis ça dans un tableau ici. Okay? Donc, première situation, la résidence de fait ici. Si tu respectes les critères de la résidence de fait, les quatre critères qu'on a vus tout à l'heure, il y a trois situations possibles pour toi. Soit tu es résident canadien toute l'année, comme c'est comme mon cas à moi, et conséquemment, on doit, je dois m'imposer sur mes revenus de source mondiale. Deuxième situation possible, je pourrais, ça pourrait être une année de, de, où je quitte. Donc, je quitte le Canada en cours d'année et je deviens un non-résident. Donc, là, c'est la fameuse année qu'il faut couper en deux, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, avant le départ, j'étais résident canadien. On va m'imposer sur mes revenus de source mondiale. Après mon départ, je deviens un non-résident. Et pour, ces, pour les mois qui suivent mon départ, où je suis non-résident, on ne peut pas m'imposer sur mes revenus mondiaux. On va donc m'imposer sur les trois sources de revenus canadiennes dont je vous parlais tout à l'heure. Puis, il existe exactement le contraire. Au lieu de parler de quelqu'un qui quitte le Canada puis qui brise ses liens, on va parler de quelqu'un qui arrive au Canada et qui crée des liens avec le Canada. Donc, c'est la même logique. Quelqu'un qui arrive au Canada avant son arrivée, tous les mois avant son arrivée. Admettons qu'il arrive le 1er novembre. Bien, les dix premiers mois, il était non résident. On ne peut pas l'imposer sur, 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 sur ses revenus mondiaux pour ces dix mois-là. Mais après son arrivée, quand il crée des liens, là, on peut l'imposer sur ses revenus de source mondiale. Donc, dès qu'on est résident de fait, automatiquement, notre, notre situation se retrouve dans cette page-là. Dès qu'on est résident de fait une seconde dans l'année, notre situation est dans cette page-là. C'est soit A, soit B, soit C. Je vais les appeler comme ça, si vous permettez. Situation A, situation B, situation C. L'autre page s'applique uniquement aux gens qui n'ont jamais, 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 jamais été résidents de fait dans l'année. Jamais. Aucun lien avec le Canada dans l'année. C'est des visiteurs, c'est des touristes. Appelez-les comme vous voulez. Donc, pour ces gens-là qui n'ont jamais, jamais eu de, de lien de fait avec le Canada, est-ce qu'ils ont le malheur de passer plus de six mois au Canada? Si, si la réponse est oui, on malheureusement, il est pris par la résidence réputée et on va l'imposer sur ses revenus mondiaux pour toute l'année. Et si la réponse est non, s'il a été discipliné, et il a quitté avant les six mois. Bien, ça, vraiment, on n'a aucun pouvoir d'imposition sur lui. Donc, s'il si reste moins de 183 jours, c'est un non-résident et on va pouvoir l'imposer seulement sur les trois sources de revenus dont, dont on parle. Donc, appelons ça les scénarios D et E. Donc, j'arrête là. On va aller faire le cas de la journée. D'accord? Et je vais aller vous montrer les cas de la journée. C'est ces scénarios-là que vous allez devoir réfléchir. Donc, si on va voir. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une question et c'était pas. Oui, euh, ton prénom? Evelyne, je t'écoute, Evelyne. Ça n'a pas besoin d'être consécutif, tu as raison. Quelqu'un pourrait passer euh, trois mois, retourner chez lui, revenir au Canada deux mois, retourner chez lui. Il dit je vais revenir quelques semaines. Puis lui, il se trompe, je sais pas trop, il arrive un accident, puis malheureusement, il reste. Ça pourrait être comme ça, effectivement, le fractionner. Merci Evelyne. D'autres questions? De toute façon, on va, on va mettre ça en pratique amplement, les il, euh, il craintes. Donc, je vais juste aller vous montrer votre portail de cours qui est ici. Donc, à chaque semaine, dans, le, dans la section documents de votre portail de cours ici, vous avez le, les problèmes on va, sur lesquels on va travailler. Je les mets là, la, la veille d'habitude, parce que je travaille dessus la veille. Donc, le, le matin du cours, ils sont là. Donc, euh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est quatre cas. D'accord? Quatre cas qui, bon, évidemment, on va les faire un par un. Donc, je vais vous laisser lire. Le, le, on va commencer par le cas 1. Je vais vous donner une dizaine de minutes okay, pour essayer de, de, le, de le résoudre. Dans le fond, pour chaque cas, on vous demande deux choses. OK? Première chose, quel scénario s'applique à cette personne-là? J'entends par là les cinq scénarios où j'ai mis des lettres tout à l'heure. Tu sais, je pourrais vous le remettre à l'écran, le tableau. Vous l'avez dans, dans, votre, dans votre volume. Je vous ai montré tantôt le, le, le tableau. Où il y avait un scénario A, un B, un C, un D puis, ou un E. C'est lequel qui s'applique à Marie-Christine? Et la deuxième question quel montant de revenus imposables elle va devoir déclarer dans sa déclaration de revenus? Donc, je veux que vous me disiez sur quel revenu, quel revenu elle va devoir mettre dans sa déclaration de revenus au Canada. C'est bon, donc, bon travail. Je vais me promener, je vais vous ai aider, n'hésitez pas. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous levez la main, je peux aller valider. Je peux vous entraider aussi entre vous. On, va, on fera la solution dans une dizaine de minutes. OK, alors, on va regarder la réponse ensemble. J'ai validé quelques-unes de vos réponses, c'était bien, c'était la bonne réponse, mais on va surtout l'expliquer. Ce n'est pas le temps de... C'est plus que d'avoir la bonne réponse, l'objectif, bien sûr. Donc, euh, la bonne réponse, je pense, selon euh, notre analyse, à tout le monde, presque, le scénario qui s'appliquait à madame, euh, c'est euh, comment elle s'appelle? Marie-Christine, oui, c'était le scénario A. Donc, je pense qu'elle était résidente canadienne pour toute l'année. Donc, ça, moi, mon analyse, c'est celle-là, c'est la vôtre aussi. Ça présuppose qu'on juge que lorsqu'elle est partie pour la Jordanie... Elle n'a jamais coupé ses liens avec le Canada, puis elle est demeurée, même après le départ en Jordanie, on conclut par cette analyse-là qu'elle est demeurée résidente canadienne. C'est bon, la bonne analyse. On va en reparler dans deux petites minutes. Juste avant, la deuxième question, c'était son revenu. Donc, comme elle était résidente canadienne toute l'année, il fallait l'imposer sur son revenu mondial durant toute l'année. Donc, autant son salaire, on s'en fout dans le fond, où elle a gagné son revenu, hein? les revenus de source mondiale, on, on les additionne tous. Donc, on prend son 21 000 de salaire qu'elle a gagné avant le départ et on prend aussi son 20 euh, je suis dans, dans le désordre, mais un 16 000 qu'elle a gagné en Jordanie. L'inverse, je n'ai pas le cas sous les yeux. Donc, on l'imposait pour son, cette l'année année courante sur un revenu au Canada de 37 000 C'est bon? Est-ce que vous êtes à, à l'aise avec cette conclusion-là? Juste aller voir les critères qu'on qu a appliqués dans ce cas-là de, de la résidence de fait. Donc là, en ce moment, on juge que la résidence de fait s'applique à ma, Marie-Christine pour toute l'année. Je vais juste aller vous montrer ça d'un petit peu plus proche, un peu, petit peu plus près l'analyse. Donc, dans le fond, on va passer ces quatre critères-là un par un. On va les appliquer à la vie de Marie-Christine. Puis pour chaque critère, on va déterminer si ça tend, est-ce que le critère tend vers le fait qu'elle soit résidente canadienne ou vers la non-résidence canadienne? Bien sûr, ils vont à peu près tous tendre. Vers la résidence canadienne, on vient de le dire, mais ça va me permettre de vous en parler un petit peu plus. Premier critère, les juges ont dit quand tu quittes le Canada, si tu veux devenir non-résident, ce critère-là, là, il dit que lorsque tu quittes le Canada, tu dois démontrer, tu dois faire la preuve que ton intention, c'est de ne pas revenir. Il faut qu'au moment que tu partes, ça soit clair que tu n'as aucunement l'intention de revenir au Canada. Donc, il faut que tu laisses des indices dans ce sens-là. Ou à l'inverse, il ne faudrait pas que tu laisses d'indices dans l'autre sens. Si tu laisses des traces, des indices qui montrent que dans le fond, tu as l'intention de revenir et tu n'es pas trop sûr si tu vas rester là-bas, ça aide pas. Ce critère-là, il est satisfait quand c'est net, clair, que ton intention, c'est de ne pas revenir. cest tu le cas de Marie-Christine? Dans le cas? Pas en tout. Elle, c'est clair, son plan il est clair à part un an, puis elle revient. Ce clairement pas satisfait, ce critère-là. Non-résidence. Le deuxième critère, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les juges ont dit si tu veux devenir non-résident canadien, tu dois couper tous tes liens, presque tous tes liens personnels avec le Canada. Donc, dans ta vie privée, dans ta vie privée, tous les liens que tu as avec le pays devraient ne plus exister. Donc, ça, ça veut dire, tu devrais quitter avec ta famille immédiate. Donc, quand tu quittes le Canada, ton mari, tes enfants devraient venir avec toi. Tu devrais vendre tout ce que tu possèdes au Canada. Tu devrais. Appeler l'assurance médicaments du Québec, la RAMQ, et couper ton assurance médicaments. C'est dur de faire ça. Parce que, -ce que vous vous rendez compte ce que, que ça signifie ne plus être couvert par l'assurance médicaments du Québec? C'est majeur. Mais si tu pars pour vrai, fais la démonstration. N'aie pas peur de faire ce geste-là. Coupe tes liens, appelle la Région de Maladie du Québec, dis que tu quittes le pays, puis ils vont te désassurer. Mais ça prend des couilles, il faut le faire. Euh, si tu as des billets de hockey, euh, si tu des billets de, de saison du Canadien, ça t'a pris 15 ans avant de les avoir, il faut que tu les vendes. Ah, oh, moi que j'ai garde. Non, à, à chaque fois que tu en gardes un, ce, ce, ce critère-là est de moins en moins satisfait. Donc, plus, donc, plus, tu, plus tu veux mettre ça net, assure-toi de couper tous les liens personnels que tu peux bien avoir avec le Canada. Marie-Christine, elle hein, a là-dessus, là euh, je ne pense pas qu'elle a coupé grand-chose, hein, Marie-Christine. Euh, elle a à peu près tout gardé, ce qu'elle avait au Canada. Okay. Ce critère-là est loin d'être satisfait. Troisième critère, les juges ont dit une phrase qui peut sembler anodine, mais euh, qui, est, je vais vous, vous l'expliquer. Un particulier peut être résident de plusieurs pays, mais ne peut pas être résident d'aucun pays. C'est des genres de phrases de, de juges, là, de sages. Une phrase qui a l'air de, de vouloir rien dire, mais qui est lourde de sens. Qu'est-ce que ça veut dire que je le répète, un particulier peut être résident de plusieurs pays, mais ne peut pas être résident d'aucun pays. C'est ça. C'est un avertissement que les juges disent, euh, comme, euh, Gabriel, oui, le voir, comme Gabriel, j'allais le voir Comme Gabriel l'a dit, les juges disent, premièrement, un particulier, ça peut être résident fiscal dans plusieurs pays tu peux très bien satisfaire les critères de la résidence fiscale au Canada, puis satisfaire aussi les critères de la résidence fiscale dans un autre pays. Donc, ça, c'est juste, juste un avertissement pour le contribuable. Par exemple, Marie, si Marie-Christine disait, euh, regardez, Marie-Christine dit, je vais faire la démonstration que je respecte les critères de résidence en Jordanie. C'est là qu'elle est allée, hein, là, en Jordanie. Euh, Sa logique, c'est la suivante. Donc, si je prouve... Que je suis résident en vertu de la loi fiscale en Jordanie, l'ARC va me laisser tranquille puis va dire d'abord, tu n'es pas résident au Canada. Faux. Faux parce que ça ne prouve rien. Tu peux très bien satisfaire les exigences de la résidence en Jordanie et aussi être résident canadien parce que tu respectes les critères. Donc, ça ne prouve rien. Ça ne donne absolument rien à un contribuable de dire. Voici ma preuve, je suis résident en Jordanie, donc laissez-moi tranquille, le Canada, ça ne marchera pas. Les juges l'ont dit. Un particulier peut être résident de, plus, de, de plusieurs pays. Mais l'inverse est vrai. Si l'ARC pouvait faire la démonstration que Marie-Christine n'est pas résidente fiscale en Jordanie, indirectement, qu'est-ce que l'ARC vient de prouver qu'elle est résidente canadienne? Parce qu'un particulier ne peut pas avoir aucune résidence fiscale. Tu ne peux pas être un fantôme, puis fiscalement, à partir à, à appartenir à aucun pays. Donc, le, le contraire va à l'avantage de l'ARC, dans le sens où si l'ARC peut prouver que tu n'as aucun lien de résidence avec aucun autre pays, ça veut dire, mon homme, qu'il faut que tu t'imposes au Canada. Donc, c'est juste un avertissement. Dans ce cas-ci, il est dur à appliquer parce qu'on ne la connaît pas, la loi en Jordanie, on n'en aura pas vraiment besoin, là. Et le dernier critère que les juges nous ont donné, c'est le suivant. Si tu quittes le Canada, tu devrais revenir faire des visites très, très peu souvent. Et quand tu viens faire des visites, ça ne devrait pas être long. C'est logique parce que dans les critères précédents, on te disait que tu avais coupé tous tes liens avec le Canada. Tu es supposé avoir amené ta famille, tes enfants, toute ta famille. Fait que un non-résident, quelqu'un qui a coupé ses liens avec le Canada, on s'attend à ce qu'il fasse très peu de visites. Très peu. Venir une fois de temps en temps, là, à Noël, deux, trois jours, là, mais il faut repartir puis vite. C'est sûr que si à chaque année tu viens pendant deux semaines à Noël, parce que tu veux venir voir tes oncles tes frères, je vois moi, tes oncles les tantes, peu importe. tu passer passé trois semaines l'été parce que tu as un ami qui a un chalet et qui t'invite, la semaine de relâche, tu vas faire du ski à chaque année, puis c'est même année après année, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ce critère-là ne sera pas satisfait. Donc, Marie-Christine, euh, je ne sais pas si elle a fait des visites. Euh, au Canada, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que à la lecture de ces critères-là, bon. Donc je pense que si on applique ces critères-là à, à Marie-Christine, c'est assez évident qu'elle est restée résidente pendant tout son voyage en Jordanie. C'est pour ça, je vous rappelle, qu'on a conclu que c'était le scénario A qui s'appliquait. On parle de résidence de fait en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Good. Deuxième scénario? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Un petit peu moins facile. On se revoit dans 10 minutes. OK, alors on va regarder la solution ensemble. Puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi, je, pourquoi on est arrivé à ce résultat-là. Donc, euh, selon moi, selon certains d'entre vous, le scénario qui s'appliquait euh, comment s'appelle euh, Julie, Julie, pardon. Le scénario qui s'applique à Julie, c'est vraiment le B ici. Donc, c'est une personne qui a toujours toujours eu des liens avec le Canada, dans, en tout cas au début de l'année, puis qui vraiment, en cours d'année, quitte le Canada, mais un vrai départ. Là. C'est pas un départ du genre euh, celui de Marie-Christine tantôt, là, euh, qui ne coupe rien. Un vrai départ où, vraiment, tu coupes tes liens, puis tu deviens non-résident. Donc, dans la même année, tu as deux statuts. Donc, pendant la même année, avant ton départ, tu es résident canadien, après ton départ, tu es non-résident. Donc, il faut le traiter de façon séparée. Donc, ici, je dois prendre du 1er janvier jusqu'au es-tu euh, est parti euh, au 31 août, hein, je pense qu'il est parti. Donc, les huit premiers mois de l'année, du 1er janvier au 31 août, il faut l'imposer sur ses revenus mondiaux. Donc, je vais prendre ses revenus mondiaux avant le départ. Donc, ça, ça veut dire son 32 000 de salaire. Dans le fond, j'ai pris son salaire euh, 32 000, euh, j'ai pris son 48 000 annuel, j'ai divisé par 12 pour trouver combien par mois, puis j'ai fait x8. Donc, ça, ici, c'est 48 000 de salaire annuel qu'elle fait, je divise par 12. Puis je fais x8 pour trouver son salaire gagné pendant les huit premiers mois. 32 000. Et elle a aussi gagné des intérêts. Hein? Elle a gagné 120 piastres d'intérêt. Donc 120 x 8, ça fait 960. Donc on l'impose avant son départ sur 32 960. Ça, c'est pour la période du 1er janvier au 31 août. On fait la, une réflexion. Après ça, on fait une autre réflexion pour les quatre derniers mois de l'année. Les quatre derniers mois de l'année, elle est devenue non résidente. J'ai plus le pouvoir de l'imposer sur ses revenus mondiaux. Les non résidents, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je peux l'imposer seulement sur trois choses après son départ. Est-ce que dans les quatre derniers mois de l'année, elle a gagné du revenu d'emploi au Canada? Non. Est-ce qu'elle a opéré une entreprise au Canada? Non. Est-ce qu'elle a vendu un bien situé au Canada? Non. Donc, c'est zéro ici. Donc, la réponse finale, c'est 32 960 imposables. Tu avais une question, euh, Marie-Christine? Ça aurait été mieux, mais on va aller voir l'analyse. Mais euh, je, je, c'est une bonne question, Marie-Christine. Je, juste, on va aller voir vraiment les critères, comment, comment on les analyser pour arriver à cette conclusion-là. Euh, Kevin, j'écoute. Ben, du revenu d'intérêt, est-ce que c'est du revenu d'emploi gagné au Canada? Est-ce que c'est du revenu d'entreprise gagné au Canada? Non c'est du revenu de placement, ce n'est pas du revenu d'entreprise, puis ce n'est pas non plus la vente d'un bien canadien imposable. Il n'y a vraiment rien d'autre que ça. Là. Quand tu es, es non résident, il n'y a pas grand-chose d'imposable. Il ne faut pas déroger aux trois sources de revenus. Comprenez-les bien parce que ça a un impact sur votre résultat final. Une bonne question, Kevin, merci. Autre chose? Euh, ton prénom? David, je t'écoute, David. Oui. Ouais. Si elle, si elle signant un bonus quelconque avec son employeur qui lui était versé avant son départ, ça ferait partie de ses revenus mondiaux de, sur lesquels elle devrait s'imposer. Ça se rajouterait au 32 960 qui est déjà imposable. Là, ça serait compliqué un peu comme scénario. On va s'en venir à des scénarios plus standards. C'est une bonne question, David. Merci. Autre chose? On va juste aller voir l'analyse que, que, que vous avez faite et que j'ai faite. Regardez, ça, c'était mes conclusions tantôt pour Marie-Christine, qui tirait pas mal sur le non-résident. Comment, vous avez, comment on, a, on peut interpréter les critères cette fois-ci pour euh, Julie? Bon, Julie, premièrement, est-ce qu'on peut dire que son départ est de nature permanente? Est-ce que tout indique qu'elle veut quitter et qu'elle n'a pas l'intention de revenir? Euh, il semble que oui. Hein? Dans le cas, là, on dirait que à peu près tout, euh, elle, elle le démontre assez. Euh, donc, ça, c'est un critère qui, euh, oui, pardon, qui tend vers la. Vers la Tantôt, je marquais des non-résidents, mais c'était pour le. Peu importe. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait tendre ça, ça, son départ vers un statut de non-résident. Deuxième critère, est-ce que dans l'ensemble, Julie a pas mal coupé les liens qu'elle avait avec le Canada? Je pense que oui, là. je suis d'accord que je pense qu'elle a gardé juste un petit compte de banque. Mais c'est quand même mineur par rapport à l'ensemble. Si tu te débarrasses de l'ensemble de tes liens, que tu coupes tous tes, tes liens avec les organismes publics et tout ça, puis que tu gardes un compte de banque avec 1000 ce n'est pas ça qui va contaminer ce critère-là. Il faut y aller avec le, le, le gros bon sens. Quand l'essentiel des liens ont été coupés, donc, on peut dire que ça, elle le statut de non-résidence s'attend vers un statut de non-résident. Euh, je vous évite la troisième parce que, dans le fond, il faudra aller voir la loi. Qu'est-ce que dit la loi domestique en Suisse? Puis, bon. On ne le sait pas, là, mais on en a souvent, on n'en a pas besoin. Et il n'y a rien, Est-ce qu'il y, est qu y aurait des indications qu'elle fait trop de visites après son départ? Pas d'indication. Hein? Donc, pour cette raison-là, je pense que, comme vous, là, on peut conclure à la lecture des quatre critères qu'elle est, elle est vraiment devenue une vraie non-résidente. merci <laughs> Ben là-heur. Tu es, es d'accord avec ça? Excellent. Bon, troisième cas, on se donne une dizaine de minutes. À tantôt. Ensemble. OK, alors pour le prince, c'est dur le, la vie de prince quand il faut que tu te sauves avec ton serviteur euh, puis, puis que tu fais 485 000 d'intérêt sur ta fortune. Bon. Lui, euh, vous êtes pas mal tous arrivés à la conclusion qu'il était dans le scénario E. Okay, je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, si vous jugez que c'est le scénario E et vous avez raison, c'est que vous jugez qu'il n'a jamais, 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 jamais rencontré le critère de résidence de fait. Je vous rappelle, hein, à partir du moment que quelqu'un remplit les critères de résidence de fait, une journée dans l'année, son scénario il est à la première page. C'est obligatoire. Dès, 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 dès que tu as rencontré la résidence de fait, c'est A, B ou C qui s'applique à toi. Tu ne peux pas aller à D et E. Les seuls qui vont à D et E, c'est ceux que vous jugez. Qui n'a jamais, jamais, jamais respecté les critères. Jamais. Je pense que c'est le cas du prince. On va, le voir, on va voir pourquoi dans deux petites minutes. Et conséquemment, quand E s'applique, il faut l'imposer. Il est réputé résident canadien toute l'année et surtout, il faut l'imposer sur ses revenus de source mondiale pour toute l'année. Donc, on va prendre tous, tout, tous les revenus que le prince a gagnés, peu importe où dans le monde, peu importe quand dans l'année. Donc, ça inclut bien sûr son salaire de sa, son son petit salaire de serveur, mais surtout, ça inclut les intérêts sur sa fortune de 485 000. Donc, pour le plaisir, le Canada est bien chanceux, on va pouvoir l'imposer sur 512 800. On va aller voir les critères que les juges nous ont donnés. Les quatre critères, si on les applique aux juges. Euh, premièrement, les juges, les critères s'appliquent autant quand tu quittes que tu arrives. Là. Tu peux les lire dans un sens comme de dans, dans l'autre. Donc, quand quelqu'un qui arrive au Canada, est-ce que, est que le juge a démontré, pas le juge, pardon, le, le prince a démontré que son arrivée était permanente, qu'il avait l'intention de s'installer avec aucune instant, in, 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 intention de repartir? Bien sûr que non, c'est tout le contraire. Donc, ça, ce n'est pas satisfait. Est-ce qu'on peut dire qu'il a, il a très peu de liens avec le Canada? Est-ce qu'il a coupé la majorité de ses liens avec la Jordanie? Sa famille, sa richesse? Bien, non. Il a tout gardé, ses liens avec la Jordanie. Il est venu ici de passage. Il a ouvert un petit compte de banque, ce qui est très, très marginal par rapport à l'ampleur de sa richesse qu'il a gardée en Jordanie. Donc, on voit bien qu'il n'a a à peu près aucun lien avec le Canada et qu'il a à peu près gardé tous ses liens personnels avec la Jordanie. Donc, c'est clairement un critère qui, qui, qui fait de lui un non-résident. Peut-être faire la troisième parce qu'on ne connaît pas le texte du de, du loi, de, de la règle de subjetissement dans la loi fiscale en Jordanie, fait que de, de ne rien en parler. Et finalement, euh, est-ce qu'on a quelque chose qui indique que le, pardon, quelque chose qu'il qu y aurait fait très des visites... Est-ce qu'il est y aurait un, pro, un, un problème de visite ou dans le sens que... Est-ce qu'il y aurait trop de visites au Canada pour disqualifier sa, sa position de résident? C'est sans objet. De toute façon, il jamais, jamais, jamais ne s'est jamais vraiment installé pour de vrai au Canada. Donc, je pense qu'à la, la lecture de ce critère-là, c'est assez évident qu'il fallait conclure qu'il est non-résident de fait. C'est pour ça qu'on se ramassait dans la deuxième page du tableau. C'est bon? Ça vous convient? Super. On en fait un dernier, puis on va aller à la pause après. Vous êtes rendu bon? Ça va un petit peu plus vite. Dernière question. On, on, on regarde le, le cas de Bruce. Je vous reviens dans quelques minutes. Comme ce dernier cas -là. Donc, je pense pour la plupart que vous avez jugé que cette situation en lui, c'était la situation D. Donc, euh, l'analyse tantôt, ne sera pas bien long à faire. Là. Premièrement, je pense que c'est assez évident que les critères de résidence de fait ne s'appliquent pas à lui. C'est un pur américain dont toute la vie elle, se passe aux États-Unis. Il n'y il a, a aucun lien avec le Canada. Il ne veut pas venir s'installer ici. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il voyage sur notre pays pour les, pour les besoins de son travail. Donc, l'analyse, parce qu'on ne la fera même pas, l'analyse pour ça, c'est assez évident. Il n'a pas de, de résidence de fait avec le Canada. Donc, c'est clairement un non-résident de fait, ce qui nous amène à la deuxième page. C'est soit D, soit E. Euh, donc, compte tenu du fait qu'il n'a pas dépassé la règle des, des six mois, il a fait un premier voyage de un mois de, de janvier à février, puis quatre mois ensuite de, de août à décembre, de mémoire, donc pour un grand total de cinq mois dans l'année. Donc, c'est pourquoi, contrairement au prince qui s'était fait, fait prendre par la règle, des six mois et qui s'était fait imposer ses revenus mondiaux, lui, il reste ici. Donc là, on est vraiment face à un non-résident, ni de fait, ni réputé. Donc les non-résidents que tu n'as pas attrapés ni par la résidence de fait, ni par la résidence réputée, tu ne peux pas les imposer sur leurs revenus mondiaux. Seulement trois sources de revenus. Donc, Bruce, je peux l'imposer sur son revenu d'emploi gagné au Canada. Donc, il fait un salaire de 112 000 par année. 112 000 par année. On divise par 12, puis on multiplie par les, euh, les cinq mois où il était au Canada, ça va vous donner à peu près le 46 667. Donc, si je prends son salaire annuel, je le mets par mois, puis je fais fois 5 pour les cinq mois qu'il était au Canada. Ça, c'est du revenu d'emploi gagné au Canada. Est-ce que Bruce a gagné du revenu d'entreprise au Canada? Est-ce qu'il a opéré une entreprise pendant qu'il était sur notre territoire? Non. Est-ce que Bruce a vendu un bien au Canada? Non. Donc, ça se termine là. On va l'imposer sur 46 667. Des questions? Bien, bravo, c'est du bon travail. Donc, on prend, on prend une pause de retour vers, vers 1h30, s'il vous plaît. On va poursuivre. Tout le monde est de retour. On finira juste un petit peu plus tôt. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de ranger votre téléphone cellulaire comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est très apprécié. Je vous remercie d'avance. C'est très aidant pour créer le climat de travail que, que je souhaite et que vous souhaitez. Donc, merci, merci encore de ranger votre téléphone à l'instant. Je vous rappelle aussi, vous le savez possiblement, qu'on est, est en élection fédérale en ce moment. On parlait un petit peu justement de, de politique la semaine passée, pas tant de politique, mais on parlait de, de politique fiscale, là, dans le sens que. Quel genre de législation fiscale on a au Canada. Tout hein, c'est coloré par, le, par les élus qu'on a, qu a, qu a élus. Euh. Donc, dans le fond, des élus, hein, c'est ni plus ni moins que nos, nos co-citoyens. Ce des sont pas des, des super-héros, ces gens-là. C'est monsieur, madame, tout le monde que, que l'on nomme pour nous représenter aux différents paliers du, de, de gouvernement, donc fédéral, peu importe, provincial, municipal. Et ces gens-là prennent des décisions en, en lien avec euh, ce qu'ils ont promis. <laughs> Je dis ça sans Ils ont promis dans leur. Euh, programme politique. Puis, bon, voilà, c'est important, c'est vraiment un geste important d'essayer de trouver un petit peu, même si on pas, vous n'êtes pas des experts nécessairement à votre âge, voir un peu quel partie vous ressemble le plus, puis euh, a des politiques qui, qui ressemblent le plus à ce que vous feriez, vous, si vous étiez, dans le fond, à leur place. Donc, c'est lundi toute la journée, je pense qu'à 9h30 qu'on peut voter. Alors, euh, puis même si vous n'avez aucune idée pour qui voter, juste être conscient que c'est un geste important d'aller voter, puis c'est un privilège. Hein. Vous savez, il y a des pays où ils ne peuvent même pas aller voter. Il n'y en a pas de démocratie, puis euh, le pouvoir, il, il est transmis de génération en génération de, de, de rois en, en prince et tout ça. Puis, qu on est chanceux, on peut le faire librement, il y a pas, pas c'est fait en sécurité, il n'y a pas d'intimidation, je vous le jure, là, il suffit de voyager un petit peu pour voir que ce n'est pas comme ça partout. Donc, juste pour ça, je pense qu'il faut y accorder un petit peu d'importance. Donc, euh, j'espère que, que vous allez gagner vos élections. Bon, revenons à nos euh, à ce dont on discutait. Donc, tout à l'heure, on a passé une heure et quart à se parler de la notion de résidence pour un particulier. D'accord? En cinq minutes, on va régler la, question de la, la même question, mais pour les, soci les sociétés. Il faut que je vous rappelle hein, que quand la, la loi de l'impôt s'applique à tous les contribuables. Il y a deux grandes familles de contribuables qui doivent payer de l'impôt sur leurs revenus, les particuliers et les sociétés. C'est vraiment les, comme ça qu'on les appelle dans la loi de l'impôt. Les particuliers, c'est les êtres humains, vous et, vous et moi. Et les sociétés, c'est les, les fameuses sociétés par action. Donc, les, les entités par action qui opèrent des entreprises, vous savez ce que c'est une, une compagnie par action, elles aussi, ces compagnies-là, à la fin de l'année, doivent calculer leurs revenus imposables et payer de l'impôt sur leurs revenus. Donc, la même question se pose. Quelles sociétés doivent payer un impôt au Canada? Quelles sociétés sont résidentes du Canada et lesquelles sont non résidentes du Canada? Je ne peux pas appliquer les mêmes critères qu'on a vus tout à l'heure. Les critères que les juges ont donnés, euh, as-tu amené ta famille avec toi? Euh, on, vous voyez bien que c'est des critères applicables à la réalité des individus. Donc, les juges, comment ils. Comme, quelle directive ils nous ont données pour régler la question de ou trancher la question de la résidence pour les sociétés par action? Mais les juges ont très simple, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire une heure de cas. Là. Les juges ont dit ce qui va déterminer la résidence fiscale d'une société. En tout cas, juste pour dire, je pourrais commencer en défaisant des mythes comme je le fais des fois, ce n'est pas ton adresse. Ça ne donne rien de dire à une société, change d'adresse, puis mets-toi une adresse dans tel pays, comme ça, tu vas pas payer de l'impôt dans ce pays-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir non plus avec euh, ton lieu d'incorporation. Ça ne donne rien d'aller incorporer une compagnie dans un autre pays en te disant ben, je vais pouvoir payer, Elle va donc payer son impôt dans ce pays-là. Rien à voir. Rien à voir non plus avec le lieu de résidence des actionnaires. Ce n'est pas parce que tu as des actionnaires qui sont résidents d'un pays que ça, fait, ça va déterminer la résidence de la société. Donc, les juges ont dit que c'est le contrôle administratif. Le, le, la résidence fiscale d'une société va être déterminée par l'endroit où se situe son contrôle administratif. Je fais un petit rappel du, euh, de votre cours de droit des affaires. Il y a trois paliers de décision dans une société par action. Premier palier, c'est les actionnaires. Les actionnaires, ce sont les, ce sont les propriétaires de la, de la société par action. Donc, quand tu as des actions dans une, société, une compagnie, c'est donc que tu as des parts. Tu, elle t'appartient. Les actionnaires, ce n'est pas eux qui vont prendre toutes les décisions pour la compagnie. Ils vont nommer des administrateurs, des employés. Donc, les administrateurs, les administrateurs des fois, ils sont aussi actionnaires, mais ils sont surtout ils sont assurément nommés par les actionnaires pour les représenter et prendre des décisions d'orientation. Pour la société. C'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Et les administrateurs ne peuvent pas prendre, mettre en œuvre toutes leurs décisions. Il va falloir qu'ils se nomment des employés. Donc, ils vont embaucher des dirigeants. Bien, le contrôle administratif, c'est les administrateurs. C'est la partie qui est jaune ici. Donc, l'endroit où le conseil d'administration va se réunir pour prendre ses décisions va, va statuer sur le, la résidence fiscale d'une société. Donc, par exemple, quatre gars de Toronto. Qui, qui partent aux Bahamas pour incorporer une, euh, une société aux Bahamas. Eux, ne connaissent pas les règles, puis ils se disent, si on va aux Bahamas, puis on donne naissance à notre compagnie en vertu d'une loi corporative là-bas, comme ça, fiscalement, on va être imposable aux Bahamas. Pis le taux d'impôt est très bas, c'est ça leur stratégie. Les quatre gars sont euh, aussi les quatre administrateurs de la société. Ils ne vont jamais aux Bahamas et à chaque fois que c'est temps de faire une rencontre de, du conseil d'administration, ils se rencontrent dans un bar à Toronto. Bien, conclusion, cette société-là, elle est résidente canadienne. On s'en balance qu'elle a été incorporée au, au Bahamas. Ce n'est pas une stratégie qui était utile. Puis Ils auraient été aussi bien d'incorporer leur société au Canada. Il ne pas perdre de temps avec ce voyage-là parce que leur contrôle administratif se fait du Canada. Ça, c'est la résidence de fait. Il y a aussi une résidence réputée. Donc, la résidence réputée pour les sociétés dit si une société est constituée au Canada, elle a, elle a pris naissance au Canada, automatiquement, ça fait d'elle une société canadienne. Ça veut donc dire que les fameuses compagnies constituées au Canada, <coughs> nécessairement, vont être résidentes du Canada, <coughs> soit à cause de la résidence de fait, soit à cause de la résidence réputée. Je vais juste faire un petit rappel comment prend naissance une compagnie dans notre environnement juridique. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je vous disais qu'il y avait deux types de contribuables, des particuliers des compagnies. Les particuliers, tout le monde comprend comment ça prend naissance. Je n'ai pas besoin de faire un cours. À, à l'hôpital, un, un, un enfant prend naissance. C'est un nouveau contribuable qui vient de naître. Il va payer de l'impôt un jour. Une société. Comment tu donnes naissance à une société dans notre monde, dans notre environnement juridique? Ça ne se passe pas à l'hôpital. C'est fictif. C'est une personne morale. Elle n'existe pas pour vrai. On fait semblant qu'elle existe, mais, mais, pour, mais dans, dans notre portrait juridique, elle va avoir les mêmes dro droits, les mêmes euh, devoirs et responsabilités qu'un qu particulier. Donc, il y a des lois qui donnent naissance à des compagnies. Chaque province du Canada a une loi pour donner naissance à une compagnie. Donc, au Québec, ça s'appelle la loi sur la constitution oui. des, des compagnies du Québec. Je pense va faire la même. Chaque autre province en a une loi aussi qui va donner naissance aux compagnies puis qui va gérer leur fonctionnement. Puis le Canada en a aussi une, je pense qui, qui, qui s'appelle, je pense, la loi sur, de, sur la constitution des sociétés du Canada. Quand vous voyez une compagnie là, qui s'appelle euh, un numéro, quelque chose, Québec Inc., vous comprenez qu'elle a, a pris naissance en vertu de la loi du Québec. Quand une compagnie s'appelle Canada Inc., ça veut dire qu'elle a pris naissance en vertu de la loi du Canada. Il n'y a aucune stratégie derrière ça. Là. Ça ne change absolument rien. Je vais juste vous dresser le portrait juridique, comment ça marche. Donc, à partir du moment que tu, que tu utilises une des lois provinciales du Canada ou que tu utilises même la loi fédérale pour incorporer ta société, automatiquement, tu es pris par la résidence réputée. Donc, si on met ça sous forme de tableau, regardez ici. Première question est-ce que le contrôle administratif est au Canada? Si tu réponds oui, c'est réglé. La société est résidente canadienne et tu l'imposes sur ses revenus mondiaux. C'est la même logique. Si le contrôle pas, administratif n'est pas au Canada, hein? deuxième question alors, est-ce que la résidence réputée pourrait s'appliquer? Dit autrement, où as-tu été constitué? Est-ce que ta, ta compagnie a pris naissance en vertu d'une loi au Canada? Si tu réponds oui, on revient à la même conclusion, on t'impose sur tes revenus mondiaux. Si tu réponds non, là, effectivement, on est devant une société non résidente. Ni la résidence de fait, ni la résidence de réputée l'a attrapée. Donc, on va l'imposer sur les mêmes trois sources de revenus. Il n'y a rien qui change. C'est pareil. Même qu'il y en a deux, parce que la première, ça ne se peut pas. Du revenu d'emploi au Canada, c'est impossible pour une compagnie. Une compagnie ne peut pas se trouver un job, aller travailler puis gagner du revenu d'emploi. Donc, pour une compagnie, il ne reste que les deux autres possibles du revenu d'entreprise pour une, euh, gagner au Canada et on imposerait aussi le profit sur la vente d'un bien au Canada pour les sociétés non résidentes. Regardez, on va juste regarder le petit scénario qui est ici. Je vous le lis, c'est peut-être pas assez gros, je vous lis le scénario A, je serais curieux de vous entendre là-dessus. La société Suissex Limité a été constituée au Canada en 1970. Toutes ses opérations sont effectuées à l'extérieur du Canada. Elle est contrôlée par un groupe financier suisse. L'ensemble des administrateurs de la société demeurent en Suisse et ils prennent l'ensemble des décisions relatives à la société. L'énoncé, la société Suissex est résidente du Canada pour toute l'année 2021. Vrai ou faux? Vrai? Pourquoi vrai? OK, donc le premier test qu'il faut appliquer, c'est le, On les applique dans l'ordre dans nos tests. Le premier test qu'il faut appliquer, c'est la résidence de fait. En vertu de la résidence de fait, est-ce que les résidentes, cette compagnie-là est résidente du Canada? Est-ce que son contrôle administratif est au Canada? Non. Donc, dans un deuxième temps, tu as, de, as effectivement le droit d'aller ici, là on se ramasse ici. Non. Deuxième question, est-ce qu'elle a été incorporée en vertu d'une loi au Canada? Tu avais raison, c'est oui. Donc, on va l'imposer sur ses revenus mondiaux. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Des questions? OK, ben, maintenant qu'on a euh, maintenant qu'on a compris la règle d'assujettissement de de pour les particuliers, pour les sociétés, qu'on comprend qui doit faire un rapport d'impôt et quel revenu on va calculer dans le rapport d'impôt, ce serait intéressant aussi de s'intéresser juste sur les petites règles techniques. C'est quoi la date limite pour produire un rapport d'impôt et c'est quoi la date limite pour payer ces impôts? Donc, si on regarde au niveau des particuliers, la date limite euh, c'est le 30 avril. Mais tout de suite, je veux juste vous, vous faire réaliser que produire un rapport d'impôt puis payer ses impôts, c'est deux gestes différents. Souvent, on les confond parce qu'ils sont faits en même temps. Souvent, quelqu'un fait son rapport d'impôt, il l'envoie au gouvernement, puis là, il, il s'aperçoit qu'il doit 108 dollars, il fait un chèque ou un virement, puis il envoie 108 dollars au gouvernement. Il fait tout ça en même temps. Mais dans les faits, il a fait deux choses. Il a produit son rapport d'impôt puis il a payé ses impôts. On peut les séparer. hein? On peut très bien produire son rapport d'impôt. Si on n'a pas l'argent pour payer tout de suite, ne pas payer. Puis payer dans un mois, dans deux mois, puis il y aura de l'intérêt qui nous seront chargés euh, au besoin. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Je vous le dis parce que le, donc, les particuliers doivent nécessairement comptabiliser leurs revenus du 1er janvier au 31 décembre. On n'a pas le choix. On ne peut pas utiliser d'autres dates. Donc, tout le monde, tout le monde cumule ses revenus du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et le 31 décembre, quand vous allez fêter, ça va être le dernier jour de votre fin d'année. Après ça, vous avez quatre mois pour envoyer votre rapport d'impôt et pour payer vos impôts. Donc, le 30 avril 2022, quatre mois plus tard, ça va être la date limite pour envoyer son rapport d'impôt et la date limite pour payer ses impôts. Si tu payes dépasser le 30 avril, ben, on va te charger de l'intérêt, mais seulement à partir du 1er mai, tant que dans les quatre premiers mois, il n'y a pas d'intérêt. Il y a une exception. Il y a un délai de production pour les particuliers qui euh, opèrent une entreprise. Quand tu es un particulier à ton compte, là, pas incorporé, là, un individu, et que ton, op, ton occupation, c'est de gagner du revenu d'entreprise, on appelle ça un travailleur, dans le jargon, un travailleur autonome, un travailleur indépendant, ben, on, te donne, ça va être, on te donne un mois et demi de plus pour produire ton rapport d'impôt. Donc, ta date limite de, de production, c'est le 15 juin, toi et ta femme. Le couple au complet va avoir une extension parce qu'on juge que c'est plus long. C'est pas mal plus long faire un rapport d'impôt pour quelqu'un qui doit calculer son état des résultats de revenus-dépenses que pour quelqu'un qui a juste à recevoir des feuillets déjà tout calculé. C'est ça la logique. Vous comprenez bien que c'est un délai de production, ce n'est pas un délai de paiement. Donc, ces gens-là vont quand même devoir acquitter leur solde d'impôt au 30 avril, sans quoi l'intérêt va courir à partir du 1er mai. Donc, ils se ramassent dans une situation un petit peu bizarre où le 30 avril, ils sont déjà tenus de faire leur paiement d'impôts puis ils n'ont peut-être même pas encore fait leur rapport d'impôt. Mais c'est comme ça, ils le savent. Tu peux soit envoyer un montant d'impôt approximatif pour éviter les intérêts, puis quand tu vas envoyer ta, ta vraie déclaration, on va ajuster. On va te retourner le trop perçu ou te demander ce qui manque. Euh, ou tu fais ton, ton rapport d'impôt un petit peu plus vite, mais c'est la réalité. Maintenant, si on pose les mêmes questions pour les sociétés. Une, une, une compagnie par action dont on parlait tout à l'heure. Elle, est-ce qu'elle est, premièrement, est-ce qu'elle est obligée d'avoir une fin d'année au 31 décembre? Est-ce que les compagnies sont obligées de comptabiliser leurs revenus imposables entre le 1er janvier et le 31 décembre? La réponse est non. Les compagnies peuvent placer leur fin d'année n'importe où dans l'année. Donc, si tu as envie d d de commencer le 1er avril et finir le 31 mars de l'année suivante, tu le feras. Si tu as envie de finir le 30 septembre, tu le feras aussi. Le délai de production, six mois après la fin de l'année. Donc, si ta fin d'année est au 31 mars, plus six mois, tu as jusqu'au 30 septembre pour envoyer le rapport d'impôt de la société. Le, paiement, le délai de paiement, encore une fois, il est beaucoup plus court. On veut que les sociétés remettent leur impôt très rapidement. La plupart du temps, c'est deux mois après la fin de l'année. Des fois, c'est trois. Là, la nuance n'est pas importante, deux ou trois, mais je veux juste que vous reteniez que c'est plus court. Donc, même, même chose, les compagnies, là, dès Dès qu'ils ont atteint les deux mois, il faut qu'ils trouvent une façon d'envoyer leur impôt au gouvernement, sans quoi ils vont avoir des euh, intérêts payés. C'est bon pour ça? OK, dernier concept. On va, on va s'intéresser à une dernière chose qu'on retrouve au point 3 de votre, de votre sujet 2. C'est une définition dans le fond. On va s'intéresser à une définition. Qui est euh, la définition de personnes liées? Le le, le, dans la loi de l'impôt, on, on, on définit qu'est-ce que c'est des personnes liées parce qu'il y a une série de transactions, une série de règles, plutôt, je devrais dire, une plus, série de règles fiscales dans la loi qui visent les personnes liées. Vous allez le voir, là, vous, vous allez voir, vous, je ne vais rien vous apprendre. Là, on va dire que des personnes liées, c'est des frères, des sœurs, des parents, des enfants, des gens de la, de la même famille qui ont, qui ont des liens de sang. On va voir aussi qu'on peut être lié avec une compagnie. Si on, 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 si on a beaucoup d'actions dans la compagnie, on peut dire qu'on on, on qu est lié. Mais aujourd'hui, le, le seul but de ça, c'est de vous montrer la définition. Je, pas, je, je voudrais, dans le fond, je voudrais comme piquer votre curiosité parce que pour vrai, là, dans les prochaines semaines, on va commencer à étudier des règles qui visent des personnes liées. Plus, vous me dire Ah, mais Nicolas, c'est quoi donc une personne liée Qu'est-ce que je vais te répondre Rappelle-toi la semaine 2. On Va voir la vidéo de la semaine 2, là, la, dernière, la dernière partie du cours, c'est là qu'on a vu la définition. On va voir à la fin de ton sujet 2. Mais aujourd'hui, on ne venait pas outiller pour trop trop comprendre les règles qui touchent les personnes liées. C'est la définition qui nous intéresse. C'est bon? Mais juste, juste pour encore pour, pour piquer votre curiosité, qu'est-ce qu'on remarque de particulier d'après vous quand une transaction a lieu entre deux personnes de la même famille? Je n'ai pas la meilleure réponse que vous, mais d'après vous, qu'est-ce qu qui arrive quand un père transige un bien avec sa petite fille d'amour? Pas sa petite fille, là, sa fille, mais sa fille d'amour. Il l'aime. Qu'est-ce qui va avoir de différent dans cette transaction-là entre papa et sa fille versus la même transaction si papa le faisait avec un inconnu? Euh, Antoine? Oui. Euh, Nicolas. De... Ben, c'est sûr. Par la l'être humain étant ce qu'il est, c'est sûr qu'on va, et vous l'avez bien dit, on va assister à une transaction où le prix de transaction va être beaucoup plus bas que la vraie valeur marchande du bien. Parce que y a, par absence de négociation, dans une transaction entre deux inconnus, c'est ça quand les lois du marché nous apprennent. Dans une transaction entre, deux, entre un acheteur et un vendeur qui ne se connaissent pas, le vendeur veut vendre le plus cher possible, puis l'acheteur veut acheter le moins cher possible. Puis là, ça négocie, ça négocie, ça négocie, ça négocie, ça négocie, ça négocie. Et ça va arriver à s'entendre sur un prix de transaction, négocié. C'est ça la valeur marchande. La valeur marchande d'un bien, par définition, c'est le prix de transaction négocié auquel deux inconnus arrivent. Pensez-vous que ça, ça négocie fort, fort quand papa veut vendre un terrain à sa fille d'amour. Pensez-vous vraiment que papa veut vendre le plus cher possible, puis que la petite-fille veut acheter le moins cher possible, puis que ça va négocier? Non. C'est sûr qu'à cause des relations interpersonnelles, à cause du lien de sang, à cause de l'émotivité dans cette transaction-là, le père va se dire, « Hey, je ne suis pas pour plumer ma fille puis négocier ça comme je négocierais avec un inconnu. Je l'aime. Il faut que je lui montre que je l'aime. Mon cœur saigne. Je n'ai même pas d'argent. Si Je ne suis pas pour y vendre ça à un prix de fou. » Il y a plein de raisons humaines qui font que le prix de transaction n'aura rien à voir avec la valeur au marché. Donc, ceci étant dit, ça, c'est une réalité. Le gouvernement en est conscient et surveille les transactions. Le, la loi de l'impôt surveille toutes les transactions entre personnes liées pour cette raison-là. Euh, je vous évite les détails, là, mais il y, a, il y a des conséquences. Le, le, le gouvernement veut que les personnes liées fassent un effort pour transiger des transactions raisonnables, pour éviter que des conséquences qui ne sont pas souhaitables. Bon, maintenant que j'ai piqué votre curiosité, c'est ça le seul but. Ça, c'est des règles qu'on va voir plus tard. Je vais vous montrer les définitions. Où c'est j'ai mis mon crayon? Euh, OK, premièrement, ce, ce lien-là, il existe entre deux individus, donc entre un, une personne puis une autre personne. Essentiellement, donc c'est la première chose qu'on va regarder, essentiellement, on est lié quand on a un lien de sang, un lien de mariage, euh, un lien d'union de fait ou un lien d'adoption. Donc, le lien du sang, vous devinez tous quest ce que c'est, quand on a des gens de notre famille. Lien du mariage, si je me marie avec une personne, je suis automatiquement lié à elle, ma blonde, ma femme, ma Comment on ça une, une personne mariée, mon épouse. Oui, parce qu'on dit ça comme ça. Troisièmement, l'union de fait. Est-ce que vous savez, c'est quoi l'union de fait? En fiscalité, on reconnaît que. Peut-être que tu as une vie de couple avec quelqu'un, mais que tu as décidé de ne pas te marier. Donc, on va après un an de vie commune, on va te considérer comme conjoint de fait et tu vas devenir lié à cette personne-là. Donc, euh, si ça fait un mois que tu. un an pardon, et plus que tu vis avec ton, ton amoureux, ton amoureuse, dans une relation conjugale, la, au sens fiscal, c'est la même chose que si tu étais marié. On va vous donner les mêmes, on va vous traiter comme des personnes mariées et vous allez être liés. Et finalement, le lien d'adoption. Si j'adopte un enfant ou si moi je suis un enfant adopté, je vais être aussi lié comme si j'avais été euh, lié, comme si j'avais été un enfant naturel de ce, de ce parent-là. J'ai-tu vu une main levée tout à l'heure? OK. Tout ça, là, ça se résume avec le petit truc qui est ici. Donc, pour savoir avec qui on est lié, prenez le petit truc qui est ici. Vous allez voir, ça ratisse large. Okay? La, le petit truc dit. Moi, Nicolas Boivin, je suis personne, je suis lié à tout le monde qui est présent dans ma croix. Moi, je suis lié à mon conjoint ainsi qu'à tout le monde qui est présent dans sa croix, plus tous les conjoints de tout ce monde-là. Donc, je vous explique. Ça, c'est moi ici, Nicolas Boivin. Moi, je suis lié à tous mes descendants, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Moi, Nicolas Boivin, je suis lié à tous mes ascendants. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, Nicolas Boivin, je suis lié à mes frères et mes sœurs, un peu des collatéraux. Moi, Nicolas Boivin, je suis lié à mon époux, je suis lié à ma femme, à ma conjointe. Ici, moi, Nicolas Boivin, je suis lié à tout le monde dans la croix de ma conjointe. Donc, je suis lié à ses parents, communément appelés mes beaux-parents, ses grands-parents. Je suis lié à ses enfants sont peut-être de moi, peut-être pas de moi, peu importe, à ses enfants, petits-enfants et je suis lié à ses frères et sœurs de ma conjointe, communément appelés beaux-frères, belles-sœurs. Donc, ça fait du monde ça. Je sais pas si vous en êtes conscient là, mais vous êtes peut-être lié au sens fiscal à quelqu'un qui vous parlez jamais Ce C'est pas grave, il n'y a pas de quoi, pas grave, mais c'est juste que vous comprenez que le concept il ratisse large. Vous rendez vous rendez-vous compte là, que si j'ai beaucoup de frères, de sœurs, j'ai plein de, de, plein de monde dans ma famille, moi, là, je pourrais, je ne sais pas, moi, je pourrais être lié à 26 personnes. Imaginez que ma femme, ma conjointe, elle a une, 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 une aussi grande famille. Dans sa croix, il y a 26 personnes, elle aussi. C'est donc dire que potentiellement, je serais lié à 52 personnes. Les 26 personnes dans ma croix et les 26 personnes de la croix de mon conjoint, c'est énorme, hein, 52? ce n'est pas 52, c'est 104. Parce que tout ce monde-là, s'ils ont des conjoints, vous êtes aussi liés à ce monde-là. Donc, tu rajoutes à tout ça les conjoints de toutes ces personnes-là que je viens de nommer. OK, deuxième test. Deuxième concept de la définition, est-ce que est qu'un individu peut être lié avec une compagnie? Absolument. Et, en, et encore, et dans le même esprit, quand une transaction a lieu entre un individu et une compagnie et qu'on juge qu'ils sont liés parce qu'ils sont trop proches, en guillemets, la, les règles, des règles fiscales particulières risquent de s'appliquer. Je veux juste attirer votre attention. Donc, on va aller voir la définition maintenant pour des, de, le lien entre un individu et une compagnie. Le premier test ici dit qu'on est lié à une compagnie si on la contrôle. Donc, le mot « contrôler », c'est écrit en note de bas de page, là, ça veut dire détenir plus de 50 des actions votantes. Donc, si tu détiens plus de 50 des actions votantes dans une compagnie, tu la contrôles au sens des tests qui sont là. Donc, vous voyez bien ici que si Albert détient 51 des actions de cette compagnie-là, il la contrôle. Donc, le contribuable Albert est lié au contribuable Gestion Gauthier Inc., S'ils transigent un envers l'autre, ça va être surveillé. Deuxième test s euh, sont, li sont liés entre elles une société et une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société. Donc, regardez ici, on a une compagnie qui, dé qui est détenue à 50 par Albert, puis l'autre 50 par sa femme, la femme de Albert, Béatrice. Est-ce que le premier test que j'ai lu tout à l'heure s'applique? Est-ce qu'on peut dire que gestion Gauthier, ici, est liée à la personne qui le contrôle? Est-ce qu'une personne contrôle cette compagnie-là? Non. Avec 50 des actions, tu ne contrôles pas. Donc, le premier test ne s'applique pas. Ici, le test dit, ben, d'abord, si les actionnaires sont liés entre eux, vous devez les, les mettre dans un groupe. Vous devez les traiter comme un groupe. J'ai mis le groupe vert. Vert veut dire qu'ils sont liés entre eux, les actionnaires. Et vous devez les traiter comme groupe. Donc, le groupe Vert détient 100% des actions de la compagnie. Donc, pour cette raison-là, Gestion Gauthier Inc est lié à Albert et Gestion Gauthier Inc est lié à Béatrice. Le test dit que la compagnie est liée à chacun des membres d'un groupe Vert qui contrôlerait la société. Finalement, le troisième test ici. Euh, dit que si un des deux premiers tests s'applique, ben, la, la compagnie elle est aussi liée aux deux croix de Albert. Donc, les deux premiers tests qu'on vient de voir, je reprends juste le premier. Si tantôt, le premier test, Albert était lié à, à la compagnie Gestion Gauthier Inc. parce qu'il contrôle la compagnie. Mais ben, savez-vous quoi? Il n'y a pas juste Albert qui, qui est lié à la compagnie. Il y a Albert plus tout le monde qui est dans les deux croix d'Albert. Donc, si je regarde la vie d'Albert ici, là, ça c'est la croix d'Albert. Albert, il a une femme. Sa femme elle a sa croix. Donc, si tu me dis qu'Albert est lié à la compagnie, ce n'est pas juste Albert qui est lié à cette compagnie-là. C'est tout le monde qui est dans la croix d'Albert aussi. Donc, ça voudrait dire que les parents d'Albert sont liés à la compagnie. Les enfants d'Albert sont liés à cette compagnie-là. Les frères d'Albert sont liés à la compagnie ainsi que ses sœurs. Donc, la compagnie va aussi être liée aux gens qui sont dans la croix d'Albert. Troisième série de tests, c'est entre deux compagnies. Encore une fois, deux compagnies pourraient très bien transiger entre elles et on, voudrait, on va surveiller ces transactions-là si on juge que les compagnies sont liées au sens fiscal. Six tests. Premier test, deux compagnies sont liées si elles sont contrôlées par la même personne. Donc ici, on a Albert qui contrôle une première compagnie et qui contrôle la deuxième. Donc, la, la gestion Gautier Inc. est liée à Placement Gautier au sens fiscal. Euh, autre variante du texte, deux sociétés sont liées si euh, elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Donc, prenez une petite minute pour regarder l'organigramme ici. Gestion qui est 50-50, puis placement qui est 33-33-34. Est-ce que ces deux compagnies-là sont contrôlées par la même personne, comme c'était le cas juste en haut Non, non, parce que ici là, j ai, j ai, ici j'ai 33, c'est 33, non. Donc le premier test s'applique pas. Le, le, deux, le test dit ben, Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire que le même groupe de personnes contrôle les sociétés? Et là, on ne parle pas d'un groupe lié, on fait juste dire des actionnaires. Le sac rouge veut dire que ce n'est pas des personnes qui sont liées. Là. On fait juste additionner des actionnaires ensemble et ça ferait en sorte que le groupe rouge contrôlerait les deux sociétés. Effectivement, parce que regardez, si vous les oubliez comme individus, Albert et Xavier, puis que vous les traitez comme un tout, un groupe de un groupe, le groupe rouge, ils détiennent combien dans la gestion. Ils détiennent 100 d'engestion et 66 d'emplacement. Donc, ce groupe-là contrôle les deux sociétés. Donc, ça fait en sorte que les deux sociétés sont liées au sens fiscal. Deuxième test. Deux sociétés sont liées si, d'une part, chacune des, des sociétés contrôlées par une personne. Donc ici, j'ai Albert qui a sa propre compagnie et sa femme Béatrice qui a sa propre compagnie. Vous voyez que Albert n'a pas d'action dans les compagnies de sa, de sa femme, puis sa femme n'a pas d'action dans la compagnie d'Albert. Ils ont ch sont chacun dans leur affaire, mais ces deux sociétés-là sont liées parce que la personne qui contrôle la première société est liée à la personne qui contrôle l'autre. Donc comme en haut ils sont, sont liés l'un à l'autre, ça fait en sorte que leurs, leurs sociétés respectives sont liées. Donc ici. Gestion Gautier est liée à gestion du faux. En vertu du deuxième test. Troisième test. Deux sociétés sont liées. Si, d'une part, j'ai une société euh, qui est contrôlée par une personne. On stop, on peut regarder ici. Gestion qui est contrôlée par Béatrice. De l'autre côté, j'ai un groupe lié qui contrôle l'autre société. Donc, gestion du four, elle est contrôlée par un groupe vert, un groupe dont tout le monde est lié. Plus précisément, c'est euh, Béatrice et son fils. Donc, euh, donc euh, maman et, et fiston, là, Abraham et Béatrice, ensemble, ils contrôlent gestion du four. Et de, finalement, quel lien on demande? On demande que, regardez ici, sont liées entre elles deux sociétés si l'une est contrôlée par une personne, Brigitte, et cette personne, c'est Brigitte, ça, et Brigitte doit être liée à un membre du groupe lié de l'autre côté. Donc, si Béatrice trouve une personne liée de l'autre côté, ça va faire en sorte que les sociétés sont liées. Est-ce que c'est le cas? Brigitte, elle est liée à sa sœur, ici Béatrice. Donc, comme Brigitte est liée à sa sœur Béatrice, ça fait en sorte que le test est rencontré. Donc, conclusion société, gestion est liée à société B. Quatrième test. Vous voyez un petit peu là, que l'organigramme se ressemble un petit peu il y a une petite, une petite variante. Là. Euh, donc, premièrement, j'ai une société qui est contrôlée par une personne, Béatrice. De l'autre côté, j'ai une société qui est contrôlée par un groupe non lié. Donc, ça, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Ils ne sont pas dans la même famille. Abraham et Brigitte. Euh, juste pour votre information, c'est la relation entre Abraham et Brigitte. C'est quoi, regardez? Brigitte, c'est la sœur de Béatrice. Ouais. Puis Abraham, c'est le fils de Béatrice. Donc, si vous, vous avez. Donc, pour Abraham, c'est qui Brigitte? C'est sa tante. Hein? Donc, si moi, ma mère, elle a une sœur, cette sœur-là, c'est ma tante. Donc, ça, c'est une relation tante-neveu. Et ce n'est pas des personnes liées. Si vous allez voir dans les deux croix tout à l'heure, neveu-tante, ce ça, ça n'est pas dans les deux croix. Donc, dans tes deux croix, tu ne ramasses pas ton oncle. Vous irez vérifier. Ou tu ne ramasses pas tes neveux non plus. D'accord Donc, c'est pour ça que le cercle est rouge. Finalement, quel lien on demande entre Béatrice et les membres du cercle rouge? Tantôt, le cercle était vert, puis on demandait que Béatrice soit liée à une personne. Ici, le cercle est rouge, donc on va être plus sévère. Il va falloir que Béatrice soit liée à chaque personne. Donc, il faut que Béatrice, cette personne, soit liée à chaque membre du groupe rouge. Donc, vérifions. Est-ce que Béatrice est liée à son fils? Oui. Est-ce que Béatrice est liée à sa sœur? Oui. Donc, conclusion, les deux sociétés sont liées. Cinquième test, il y en a six. D'une part, ici, j'ai une société contrôlée par un groupe lié, Albert et son fils. De l'autre côté, j'ai une compagnie qui est contrôlée par un groupe non lié. Donc, les actionnaires ici ne sont pas liés. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on demande comme lien en haut? On demande que, que l'un des membres du groupe lié, je vais enlever les, mes flèches là. Donc, le, ce qu'on demande au niveau des actionnaires, c'est que euh, si l'un des membres du groupe lié, soit Albert, soit Abraham, soit lié à tout le monde de l'autre côté. Donc, il faudrait vérifier si que Albert, est-ce qu'il est lié à tout le monde de l'autre côté ou sinon, Abraham, est-ce qu'il est lié à tout le monde de l'autre côté? Il faut réussir pour un des deux. Donc, on peut essayer avec Albert. Albert, il est lié à sa, à sa belle-sœur, ça, c'est la sœur de son épouse. Et Albert est lié à son frère. Donc, inutile de le vérifier pour Abraham. Le test est satisfait. Gestion Gauthier est liée à placement BA. Vous devinez c'est quoi le dernier organigramme? On s'en va de plus en plus vers des étrangers. Le dernier organigramme, c'est deux groupes rouges. Un groupe non lié contrôle une première société et un groupe non lié contrôle l'autre société. Quel lien on va demander? On va être un peu plus sévère. On va demander que chaque membre du premier groupe trouve au moins une personne liée dans l'autre groupe. Donc, on va vérifier. Est-ce que Charlotte trouve une personne liée dans l'autre groupe? Charlotte, oui, son frère. Et est-ce que Didier trouve une personne liée dans l'autre groupe? Oui, ça sert. Donc, conclusion, placement chez CHA et placement DIA sont des sociétés liées au sens fiscal. Donc, voilà pour les six tests concernant les, les sociétés liées. Avant de vous demander si vous avez des questions, laissez-moi vous juste vous faire part notre, du commentaire suivant. Vous n'avez pas à apprendre ça par cœur. Pensez-vous que je sais ça par cœur? Pensez-vous vraiment que je connais les six tests de sociétés liées par cœur? Pas du tout. Si vous me donnez une question ou si je vous donne une question, tout simplement, donnez-moi mes tests, donnez-moi un papier, je vais faire des dessins, je vais faire des organigrammes, je vais faire des sets puis je vais lire les six tests tranquillement. Est-ce que le premier s'applique? Oui, non. Deuxième, oui, non. Puis je vais vous dire à la fin si les deux sociétés sont liées ou pas. Je ne sais pas ça par cœur, ça ne me tente pas d'apprendre ça par cœur. J'ai mieux à faire de mon espace mémoire. C'est la même chose pour vous. Donc, si l'examen, je vous demande d'appliquer ces tests-là, je ne m'attends pas à ce que, ah oh oui, tu le vois, tu sais, je sais ça par cœur. Non, non. Je vais te donner le temps qu'il faut pour lire tes six tests, faire tes dessins. Il faut juste que tu sois capable d'y mettre en application comme un bon lecteur d'une loi doit être capable de le faire. Juste, mais surtout pas l'apprendre par cœur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces, euh, ces concepts-là? Oui. Euh, tu le vois pas? Euh, non, justement, c'est là que tu te trompes. Regarde, toi ici, là tu es ici, ta soeur est là. Tu es lié à ta soeur, mais tu n'es pas lié à sa croix. Ça, c'est à toi, c'est tes descendants. Tu es lié à tes descendants, tu es lié à tes ascendants, tu es lié à ta soeur, mais pas à sa pas aux gens de sa croix. Là. Non, c'est vraiment les, les tiens. Donc, c'est pour, pour ça que euh, ton neveu, dans le fond, il est dans la croix de ta soeur. C'est une bonne question, merci. D'autres choses? Bon, mais ben, super. Écoutez, euh, juste avant qu'on termine, je vais aller, bien sûr vous montrer le défi K-out, c'est chose promis, chose due. Euh, juste, à, regardez ici, le, votre portail de cours. La solution est apparue. Donc, évidemment, là, je n'affiche pas les solutions avant le cours, mais là, maintenant que le cours est fini, ceux qui veulent regarder tranquillement les quatre cas qu'on a fait ensemble, la solution est là. Donc, ça va apparaître ça, de semaine en semaine. Les, vous allez avoir tous les, les énoncés et les solutions. Je vous rappelle aussi de compléter vos questionnaires, hein, vos deux premiers questionnaires d'ici dimanche dans trois jours. Donc, euh, laissez-moi partir ça.